anniversaire. C'était hier. Ok. Et joyeux anniversaire hier. Là, je remonte dans le temps. Voilà, je suis dans le temps. Ah, merci. Ouais, super. Je vais t'emmener voir un truc hyper bien. C'est pas des gens tout nus. Enfin, ils sont tout nus, mais c'est normal. Ah oui? Ouais. Pourquoi c'est des gens tout nus? Non, en fait, c'est pas vraiment des gens. C'est des animaux, donc du coup, ils ont pas de vêtements, donc ils sont tout nus. Mais c'est des animaux qui font un peu peur, d'accord? Et c'est mon cadeau d'anniversaire, donc. Un peu, ouais. Ouais, c'est génial. Allez, on y va! Allez! Juste cet endroit. Pourquoi? T'aimes pas ça? Non, si je supporte pas les bêtes, genre tout ce qui est reptiles, araignées et tout, je déteste. Mais t'es con, tu m'as dit oui de venir. Oui, mais. Mais non, t'as peur. Non, mais on rentre, mais si j'ai peur. En courant, t'as vu quoi? Des pattes! Des pattes! Je sais pas! C'est vrai, ça me dégoûte! On n'a rien vu encore! Oh putain! Allez, hein! Courage, c'est que des pattes! Hein. C'est des phasmes! C'est des phasmes! C'est des phasmes! C'est des phasmes! Mais regarde pas les phasmes, avance, on va aller voir d'autres trucs! Regarde pas les phasmes, passe comme ça, tout droit! C'est un caméléon, c'est joli. Ça, c'est joli. Non, ça va. Les pattes. Mais quoi, les pattes? Là, regarde. Les petits lézards. En fait, j'ai peur de tourner la tête et que d'un coup, il y a un truc que j'ai pas envie. J'ai peur qu'il y ait un truc qui tombe. Mais non, il n'y a pas des trucs qui tombent. Non. Mais c'est sûr, j'ai peur. Là-bas, c'est les araignées. Là-bas, c'est les araignées. J'ai peur que ce soit comme dans les araignées. Là, c'est bien. Où il y a des chatons qui traînent et que. Mais il n'y a pas de chatons ici, ils les mangent, les chatons. Là, c'est bien, là. Regarde, là, je te jure, c'est les caméléons. Et c'est les. Oui, c'est tous les caméléons, là. De toute façon. Ah, mais tu es comme ça, là. C'est bizarre comme ça. Mais c'est un Bernard Lémyrte. C'est un Bernard Lermite. C'est un Bernard Lermite. Il faut qu'on fasse une vidéo. Hein? Il faut qu'on fasse cette vidéo. Oui, tu veux qu'on parte? Non, tu veux qu'on parte? On peut la faire ici, mais. Oui, mais il faut qu'on mange. On va à l'étage, il y a les serpents à l'étage. D'accord. Ah, ça me fait un truc dans les entrailles, quoi. Mais du coup, faut pas passer par là, parce que par là, c'est les araignées. Mmh. On fait le tour? Ouais. Là, y a rien, c'est du plastique, là. Ah putain, c'est trop bon. C'est ouf, parce que c'est de pire en pire. C'est quoi, les trucs, là? Crapaud, sauterelle. Grenouille. Regarde, c'est une petite grenouille. Elles sont trop belles. Ça, c'est mignon, ça. Par contre, elles sont empoisonnées, même. Ah bon? Oui, faut pas les toucher. C'est les dendroblattes. Fertile leurs besoins, captivité, espèces peuvent supporter la chaleur. Je sais pas. Pourquoi des gens viennent ici, quoi? Bah parce qu'ils aiment bien. Qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Bah ils les prennent pour chez eux. Tu dis juste des filles. Si genre tu vois un serpent en liberté ou un truc qu'ils affichent. Il n'y a pas de serpent en liberté. C'est chaud. Mais sinon, t'aimes pas les serpents non plus? Ah, je déteste les serpents. Ah bon, bah alors monte pas alors. Ah, c'est horrible. Oh, t'as vu lui? T'as vu lui? Non. Le grand là. Là-bas en bas. Je sais pas ce qu'il veut faire. Tu sais que j'ai tourné avec un serpent. Mais ça va, les serpents. Comment ça s'appelle? Un boa. Ouais. Bon, en fait, on faisait une métaphore d'une scène de cul. Faudrait que je te retrouve ça, tu chialerais de rire. Et en gros, le boa, il vient autour de mon bras. Et en fait, il a cru que mon bras était un serpent et il a essayé de me baiser. Pour de vrai? Il a sorti sa bite et il l'a enfoncé dans mon bras. Sauf que leur bite, c'est une épine. Donc ça fait bien mal. Cette anecdote est géniale. T'entends ce que dit la mère? Ils sont apprivoisés. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça dans chez toi? Bah, j'ai une amie, elle a un serpent. Elle dort des fois avec, elle lui fait des câlins. Moi, je l'ai caressé. C'est un scandale d'avoir des animaux, de toute façon, dans des bocaux. Dans des bocaux. Voilà, on voit pas grand-chose. On voit rien. Là, regarde, ils sont trop beaux. Ça, c'est marrant.
des stalagma brachtactalia. Parce que tu vois, t'as des animaux qui sont hyper dangereux, là, non? Oui, oui, à certains endroits, oui. Oh, regarde la mue. Il y a la mue. C'est la peau du serpent qui est tombée. Ah putain. Il est où le serpent? Là, il doit être sous le rocher. Ouais, il est sous le rocher. Tu vois, on voit sa peau. La mue? La mue? C'est fou, j'avais jamais entendu ça. C'est comme nous quand on mue, quoi. Oui, on mue, ouais. Oui, eux, c'est pas de la gorge, quoi. C'est de tout le corps. Regarde, ils sont pleins. Ils sont trop cool. Ça, c'est rigolo. La maman. Ouais, ça, c'est marrant. Les petits. Ils sont marrants. Les pauvres, regarde. Oh, je veux sortir. Je veux sortir. Ça veut dire quoi, diurne? Diurne, c'est qu'ils vivent la nuit. Non, nocturne la nuit, diurne le jour, pardon. Les mâles adultes ne se supportent pas. Bah, en tout cas, là, ils sont chelous. Ils sont robustes et peu sensibles au stress. Regarde, on dirait une secte. Ils sont tous sur la lampe à chaleur et ils disent ouais, c'est trop cool. Mais attends, ça, c'est des bébés. Non, je sais pas, j'ai dit regarde, ça. C'est la même race. Ah oui, bah, c'est ça. Ça doit devenir comme ça. Hein. T'as vu, leur ventre, il est plat. Oh. Ce crapaud. Ah, c'est dégueulasse. On dirait une grosse merde avec des yeux. C'est vraiment une grosse chiasse. La SPA, on va voir la SPA sur le dos. Ils ont traité un crapaud de grossiasse. S'ils s'ouvrent les veines, le crapaud ce soir. On va avoir les crapaudologues sur le dos. Crapophobe. Ouais, dis-moi ce que c'est. Un serpent. Là, regarde. C'est moche, hein? Non, non, je suis pas d'accord. Autant les tarentules, je déteste, autant les serpents. Tu te retrouves face à ça? Moi, je me retrouve face à ça dans la nature, je fais une crise cardiaque. Ça et les requins. Bon, bah, les requins dans la nature, t'es tranquille. Mais t'as filmé les starter kits? Parce que c'est génial. C'est une activité. C'est une activité. Les gens sont fous. Ah, ok. Non mais entre nous là. Oui, oui, oui. Tu sais quoi, j'ai envie de faire des vidéos où je t'emmène dans des endroits. Tu sais, où on voyage et on va dans des animaleries cheloues, où on fait un métier chelou. Je pense qu'à nous deux, on pourrait vraiment faire des belles aventures un peu nulles. Je sais pas si ça va être très intéressant. Ouais, les gens, ils pourraient être morts de rire, quoi. Là, c'est les tortues, là, ça va. Ça, t'as le temps de voir arriver si ça t'attaque. Ouais. Ah, regarde, elle va lui faire la mine. Non, et puis c'est mignon. Elle veut lui faire la mine. Tu crois? Ah bah, ah non. Ou alors, s'il veut lui faire l'amour, vraiment, elle se rate. Enfin, quoi que j'aimerais pas non plus avoir ça chez moi. Ah, t'as vu ici, regarde. Ah. C'est des sauterelles. Je supportais pas, c'est horrible, je m'y attendais pas du tout. En fait, c'est la bouffe de ces animaux qui oui, c'est la bouffe. Peur que les animaux. Ah, elle est trop mignonne, elle. Mais bon, des sauterelles. J'ai peur, attendez, dis-moi juste un truc, parce que là j'ai une vraie peur physique. Oui. Que les araignées, on va pas passer devant. Les araignées, on va pas passer devant. Elles sont là, donc on peut faire le tour. Oui, tu joues. Ah oui, on fait le tour, on fait le tour. Les araignées sont là, sont dans les trucs là. Donc on fait comme ça, on fait le tour et on va pas les voir. Si tu veux, on s'en va même. J'ai pas vu les axolotes, je sais pas où ils sont. Oui, parce que c'était ça qui nous intéressait. Ouais. Ah, ils sont là-haut. Par contre, c'est les araignées dessous. Attends, je vais voir. Ah non, c'est... accessoires plantes. C'est des crapauds. Ah non, il n'y a pas les axolotes. Non. Bah, je sais pas où ils sont les axolotes. Alors, on s'en va. On a eu assez de stress. Très forte. Moi, ce qui va se passer, c'est que cette nuit, je vais repenser à cette journée. Et tu vas pas aimer. D'accord, ok. Ok. Eh bien, merci Éléonore pour cette super merci visite. Merci Élise, vraiment, c'était un super cadeau d'anniversaire. Ah oui, maintenant je vais t'acheter l'araignée. Rue Saint-Denis, dis donc. Bah, c'est pas si loin. Non. Oh, un autre cadeau d'anniversaire.
Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.